des pays francophones. On se présente. Bonjour, moi je m'appelle Paul. Je suis né le 8 juillet. J'ai 15 ans. Je suis sénégalais. J'habite au Sénégal. Ma passion, c'est de la lecture. Et j'adore aussi la musique. Je déteste faire du surplus. Mon père s'appelle Amadou et ma mère s'appelle Diaba. J'ai deux frères, Ismaël et Djibril. Les deux frères, Fatou et Salah. Nous n'avons pas d'animaux chez nous. Salut, je m'appelle Fabien, j'ai 14 ans. Mon anniversaire, c'est le 15 juin. Je suis français et j'habite à Perpignan, dans le sud de la France. Mon adresse, c'est 5 rue du Printemps. J'adore les sports, surtout le foot. Ma mère, Valérie, travaille comme infirmière avec la femme. Et mon père travaille dans une entreprise. J'ai un frère, Renoir, qui a 17 ans, et ma soeur, Sonia, est en 6e. Nous avons un grand chien qui s'appelle Bruno, c'est un labrador. Mon nom, c'est Gabriel Bichelet. Mes amis m'appellent Gab. J'ai 14 ans. Je viens de Strasbourg. Mes parents sont divorcés. J'habite avec ma mère et ma petite soeur. Sabine, qui a 3 ans. J'adore ma grand-mère. Elle s'occupe de nous. Comme ma mère travaille au bureau, ma soeur a 2 sœurs. Lulu et Tiki. Ils sont très mignons. J'adore la mode. Ce que je n'aime pas, c'est le sport. J'ai mon présent. Mon prénom, c'est Brian. Et mon nom, le famille, c'est Kyrani. Ma date de maison est le 1er septembre. Je suis née à Kompé, en Bretagne. Et 14h30. Maintenant, j'habite à Saint-Évaste. Mes parents sont divorcés. Mais j'ai un beau-père et il est ma soeur. Il est d'origine suisse. Je suis fils unique. Comme loisir, j'aime faire du cyclisme, faire du surf et jouer de la batterie. Si vous me connaissez, eh bien, je suis André Doralie. Notre maison se trouve à Saint-Denis, à la Réunion. Je suis rayonnée. J'ai 15 ans et mon frère Joseph a 10 ans. Ma mère, Julie, travaille comme responsable d'hôtel à Saint-Denis, tandis que mon père, Jean-Baptiste, est employé à Lotus et Tunis. Je suis célibataire. Bien sûr, je joue beaucoup à l'ordinateur et je suis membre du club internet de mon collègue. Je n'aime pas lire, mais j'adore